Bienvenue sur Naturae Lapides. La wolframite est une famille de tungstates métalliques. Notre spécimen est une petite pyramide tronquée de wolframite présentant la structure aciculaire, c'est-à-dire en aiguille, typique de ce minéral. Pour Georgius Agricola, le père de la minéralogie avec son ouvrage De re metallica, signifiant « à propos des choses métalliques » en latin, le terme dérive de wolf, pour loup, et de ram, pour mousse, au sens de bave, par allusion à l'aspect du composé qui se forme à la fusion des minéraux contenant le tungstène et l'étain. La wolframite est un mélange de tungstate entre la ferberite, tungstate de fer, et l'humnérite, tungstate de manganèse. La wolframite est au sens large le plus important minerai de tungstène. Regardons de plus près. Notre spécimen présente une structure en aiguille agglomérée avec un bel éclat métallique et une grande homogénéité de matière. La structure rayonnante de l'agglomérat d'aiguille forme sur notre spécimen comme une montagne dont le pied serait décoré d'or, mais hélas, ce n'est que de la pyrite, l'or des fous. La densité du minéral est importante à cause de sa composition essentiellement métallique et notre petit échantillon pèse singulièrement lourd en main. D'ailleurs, le nom français du tungstène vient du suédois tung pour lourd et sten pour pierre et signifie donc pierre lourde et son symbole chimique est W à cause du wolfram allemand. Dans notre collection, il y a toujours une place de choix pour les minéraux riches d'histoire et de sens. À bientôt sur Naturae Lapides.